Pierre a aimé ici. Pierre, bon. Ah, moi, c'est la famille. Maintenant, c'est la famille. C'est une Sénégalais. Non, mais les Sénégalais sont gentils. Hein? Ils sont sympas, les gens. Ouais. Voilà, on est reparti aujourd'hui avec Fallou. On va se balader, on va aller faire du bateau. Derrière, on a la reine mère. Voilà, elle est là, elle est avec nous, on la perd pas, hein, Fallou. Hein. Faut pas qu'on la perde. Hein. Non, on va pas perdre la reine mère. Sinon, on est foutu. Hein. Les beaux salons tout neuf. Non, 10 000 c'est 15 litres. 10 000 50 litres d'essence. 15 litres. 10 000 c'est 15 litres. C'est pour ça que tu veux que. C'est bien comme ça. Tu m'ouvres la porte. Ouais, tu peux tirer, tu vois, tu peux tirer, il y a un sort. C'est difficile. Bonjour. Ça va? Bon, Francinette, ça va? Francinette, t'as bien fait le voyage? Ouais, confortable? Impeccable. On est content, il fait beau. Ouais, il fait beau. Hein? Fallou, il est avec nous. On prend le bateau maintenant, on va prendre le bateau. Il est où, Fallou? Ouais, il est là. Ah, il est là, Fallou. Voilà. Bon. Le débarcadère. Oui, maman. Je vais fumer débarcadère. Voilà débarcadère. La reine mère voulait qu'on fume débarcadère. Alors voilà. On va prendre les bateaux après. On va aller sur les îles. On va voir quelque chose chez les piroguiers. Crémin Dieu. Ça n'y a pas beaucoup à Genève des piroguiers. Boire quelque chose, faire pipi. Là, il commence à faire chaud. Ah, c'est une bien. Là, il a dit la reine mère. Ah, la reine mère, regarde. On va filmer, on voit pas les têtes, on voit pas tes yeux, on voit pas les dents, on voit rien. Tu vas beaucoup filmer aujourd'hui. Attends. C'est noir ici. Et là, ça va mieux. Ah, ben là, on voit quelqu'un. Voilà, c'est la reine mère. Donc, on la voit bien, là. Non, de pipe. Hein. Là, on voit rien du tout. C'est noir et blanc. On voit rien. On voit rien du tout. Je fais le test hein, pour filmer pour la suite. Voilà, on va aller à la péniche, à la barque, à la barca. Là-bas, il est en train de charger du matos sur le bateau, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, moi je fais des petits poissons ça. Tu peux faire la friture. C'est des carpes grises, ouais. Ouais, c'est des capris. Carpes grises. Carpes grises. Oh mais il n'y a rien à bouffer là-dedans. Il n'est pas du même côté que moi, Francinette, hein. Parce qu'on verse direct, hein. Sois poli, hein, avec Francine. Oh, putain. C'est qui au téléphone encore? Ah, il y a quelqu'un qui téléphone. Ah, oui. Est-ce que c'est pas David? Il y a Jordan qui passe, là. Oui. Et ici, pour vous voyager dans les îles, c'est là où tu prends la pirogue pour aller dans les îles. C'est pour ça qu'on appelle la porte sur les îles de Salou. Taxi pirogue là-bas. Les gens ils vont sur lui. Ouais, je l'ai dit. C'est grave. Ouais, c'est pas ceux qui traversent la mer qui arrivent en Italie, ceux-là. C'est non, c'est pas Barça. Ah non, ceux-là ils restent là. Ceux-là. Fallou qui se marre. Ça c'est mieux qu'ils restent là, j'ai dit. Voilà, là on va maintenant chercher de l'essence.
pour le bateau. Ils sont à l'intérieur aussi, c'est une nous qui l'a mangé. Une belle casquette là. Ah ouais, belle casquette. Classe. Je deviens une prise maintenant dans la blogue. Voilà. Quelqu'un va m'expliquer. Tu viens acteur. Comment ça se passe ici. Voilà. Tu vois. Il y a David qui est jaloux. À cause de Pierre, je deviens une prise maintenant. Et star, ouais. C'est des pirogues qui viennent avec le tronc du fromage. La porte. Ça, le port du village. Voilà. Les pirogues qui sont à côté, c'est les taxis pirogues. Taxi pirogue. Ouais. Les gens qui vont voyager à l'intérieur, ils prennent ces pirogues. Ok. Ah, petit port. Ouais. Les hommes, ils ont tous des casquettes Excalibur. Ouais. C'est pas comme notre casquette. Hein. Ah non, c'est pas comme la nôtre. Ouais, ah, ok. Ah, mais Fille, les huîtres là. Ah, sur les racines. Ah ouais. Il y a des racines. Yoros. Yoros. Allez, Yoros. Ayo. Le baobab solitaire. Il est un peu comme moi. Célibataire, tranquille. Ah ouais. Ouais, non, non, ça va aller. Les reflets du soleil, ils ont la couleur, une couleur un peu métallique. Ouais. On les appelle des aigrettes noires. Allez, bravo! Tu vois, on est sur une île, là, une toute petite île. Voilà, Falou, il est là. Regardez. Il n'y a encore pas de crocodile ici, il n'y a rien du tout. Voilà, on est perdu, pleine brousse, dans un bras de mer. Voilà, comme ça David peut voir où, ce qu'on fait là, Denis pourra voir aussi. Ah, c'est bien. Et là, c'est ton petit jardin, alors. C'est quoi que tu fais pousser? Des paniculiers. Encore? Oui. Ah, tu replantes toi-même. Ah ouais? Parce que ça, c'est le fruit du paniculier. Ouais. Il suffit juste de le répliquer sur le sable. D'accord. Et ça pousse pour donner un autre paniculier. Donc, à chaque fois que je fais des balades ici, je me fais le plaisir d'en planter une ou deux. Ouais. Ah, d'accord. Et là, à toi l'honneur, tu peux... Moi, je vais pas aller dans l'eau. Ouais, non, attends, c'est moi qui viens. Ouais, ouais, Falou, ouais. Toi, tu sais planter, moi, je sais plus. Bon, là, je le fais pour de Pierre et Francine. Et l'autre, il était en Suisse, comment il s'appelle encore? Denis. Denis. Ouais. Ça, c'est pour Denis. Ça, c'est pour vous, hein. C'est pour Denis, celui-là. Il faut venir ici, en Sénégal, pour voir ça, Denis. Il est beau, celui-là, il est beau, droit comme la justice de Berne. Ouais. Bon, c'est quoi que tu ramasses? Il est long, ce bateau. Martine. Alors, il est bien le taxi pirogue, hein? Ah oui. Parce qu'ils ont tous des gilets en cas de sauvetage. Bah. Là, ouais. Ils ont intérêt parce qu'ils vont traverser l'embouchure. Ouais, tandis que nous, on n'a rien. Si on a en coule, quoi. Ça fera un cadeau aux poissons. Ouais, ça fera un cadeau aux poissons, c'est vrai. Voilà.
Ouais. Ouais. Allez, tu peux. Tu peux venir te baigner. Bonjour. Ça va. Bien, toi? Ça va. Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Pierre. Pierre, moi j'appelle Adama. Kadama? Adama. Adama. Oui. Enchanté, Adama. Oui, c'est les femmes du village. Ah, voilà. Après la visite, regardez. Ouais, ouais, on va regarder. Alors, on est où là exactement? Là, on est sur l'île de Marloch. 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 Et les constructions que vous voyez là au bord de l'eau, c'est des campements touristiques. Ok. C'est pour les gens qui viennent en vacances. Ouais. Ah oui, c'est dans le désert, là, il n'y a rien. Non, c'est une île, c'est une île. C'est une petite île. Ouais, pas de voiture, pas d'électricité. Ils utilisent des panneaux solaires ou des groupes électrogènes. Ok. Voilà. Oh, il y en a un. Il y en a un qui a séché là, tu vois. Il n'a pas eu assez d'eau, lui. Il n'a pas eu assez d'eau, il a séché là. Voilà, il est bien là, il n'a pas de soucis. Voilà, merci pour le ticket. Hein. Je vais prendre le TGV là. Et ma deuxième. Hein. Inch'Allah. Sa deuxième? Deuxième quoi? Fille? Mais non! C'est ta femme? Ah, c'est ta femme? Non. Une cousine à moi. Ah, c'est une cousine? Je suis sa cousine, mais je ne suis pas sa femme. Il est marié. Ah, elle est mariée. Ah, tu ne fais pas goulou-goulou avec ta cousine? Attends, pas tout mélanger. Non. Les chameaux avec les chevaux. Non, je pleure, je pleure. Bon, elle est ma nièce aussi. Et ta nièce? Ah, c'est la nièce. Voilà, c'est bien. Après, ils vont nous faire des albinos. Ah, voilà le TGV qui arrive là. Ouais, le TGV local. Et il y a aussi. C'est là qu'on est assis? Il n'y a pas de siège? Si. Ah, bébé. Ok. Là, voilà, c'est avec le confort en fer. Hein. Ah, le confort. Voilà. Ah, c'est le siège. Ouais, c'est le TGV comme chez nous, au fait. Hein. Voilà. J'ai la même chose qui fait Genève-Paris. C'est la même chose, mais un peu moins rapide. Ni vapeur, non, ni non. Bruit. Hein, hein? Il y a ni vapeur, ni bruit. Ni bruit. Allez, à tout d'heure. Ni vapeur, ni bruit. Voilà. Et tu vois, et c'est authentique. Ouais, ouais. Ah, ben là, on ne peut pas dire que ce n'est pas authentique. Hein. Ben là, oui. Ah, ben avec ça, avec l'escabeau. L'escabeau, et là. Magnifique. Et voilà, vous êtes le roi des. Vous vivez de la pêche. De l'agriculture. Ok. Et l'élevage. Des bœufs. Des bœufs. Ok. Et tout ça, ce n'est pas commercial, mais juste vivrier. Ouais, t'arrives à vivre avec ça ici, quoi. Voilà, c'est ça. Juste, c'est pour la famille. Hein. Ouais, et Marloch. Marloch. Ouais, là, okay. On est à Marloch. Bienvenue. Bienvenue, ok. Et voilà, voilà. Et la quatrième activité, on peut dire que c'est le tourisme. Ok. Et le tourisme aussi, il faut. Mais il n'y a pas beaucoup de touristes, là, il n'y a pas beaucoup. Non, non, non. Et là aussi, il faut bien expliquer. Ah. En accord avec le chef du village et les notables. Ok. Et les jeunes, on s'est dit, pour mieux gérer le tourisme, oui. Il faut. Oui. Gère un peu la situation. D'accord. Parce qu'autant aussi, il y avait un problème quand il y avait les tourismes, les pédalements de gauche à droite. Ok. Donc, tous les revenus aussi de ce tourisme. Alors, c'est ok. Alors, venez à Marloch, on va dire Marloch. Voilà. Venez Marloch. À Marloch, visitez le village, cette petite île. Voilà, c'est voilà, c'est magnifique, c'est très joli, c'est tout près de. On n'est pas loin de la Gambie, là, on n'est pas très loin. Ah, bah, non, tu peux prendre une pirogue pour aller en Gambie. Voilà, on est tout près de la Gambie, voilà, donc, on est en bas, vers le Sénégal, vers la Casamance, on est tout près. Ouais, ouais, ouais. Alors, voilà, si vous voulez venir visiter une partie un petit peu plus sauvage sur l'île, bah, Marloch. Ouais. Je ne sais plus ton prénom, toi. Georges, ah, comme mon papa. Et oh, mais là. Fils. Ouais. Ça va, fils. Ouais, non, mais Georges, mon papa. Ouais, mais non, je t'appelle fils. Ah oui, fils. Ah ouais. Voilà, je m'appelle Georges. Voilà, Georges. Voilà. Et mon papa, il a 96 ans. 96 ans. Ah. Puis il fait encore la culture, lui, il va au jardin et tout. Quoi. Ah, on aime, nous aussi, on aime la culture, c'est ouais, la culture et tout. Voilà, c'est le Picasso du village, ouais. Okay. Il est là-bas, Monsieur Pat. Ouais. Très, très joli.
Parce que les gens qui ont été en train de se faire, il faut pas l'air, tout ça. Il faut pas l'air. Très joli. De la famille des cèdres. Ok, famille des cèdres, Kaï Cédra. Et là qu'on faisait l'initiation des jeunes hommes. Voilà, d'accord. Initiés, ici, sous l'arbre. Sous l'arbre et la circoncision et tout ça. Ouais. Mais juste après le boom démographique, donc on le fait plus ici parce que le village n'arrivait pas ici. Oui. Donc on le fait de l'autre côté, à l'autre village. Et à l'insu des femmes. D'accord. Et il y a la case de la femme aussi. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Tu m'as dit là. Et Gabzo. Alors, Georges, là on est où là? Là on est à la paroisse Sainte-Famille de Marloch. Ouais, ok. Et là, c'est l'église. L'église a fut construite par un missionnaire du nom de Père Nettelman. C'est le missionnaire qui nous a fait cette belle case. Et okay. La case aussi, il a trouvé ici des cases quand il est arrivé. C'est pourquoi l'architecture, c'est comme ça. Et on l'a inauguré en 1985. Tout le monde, musulmans comme catholiques, on était ensemble à se fêter. D'accord. Et lui aussi, à chaque fois, il était musulmans comme catholiques, mais dans l'homme. Ok. Et puis, il habitait où, ce gars? Il habitait. Le pays? Le pays suisse. Ah, ben c'est important, ça. Oui, il fit suisse. Ah ben c'est ça que je veux savoir. Voilà, il fit suisse parce qu'il est décédé. Il était âgé alors. Il était âgé. Et là aussi, je vais vous amener juste dans son stella parce qu'on a fait en mémoire de lui. Ah, quelque chose là-bas. Ouais, on va voir alors. Ok, allez, on va voir alors. Ok. Ouais. Mais dis donc, les vitraux là, ils sont magnifiques. Hein? Les vitraux nous viennent de la Lausanne en Suisse. Ah bon? Et même c'est le Suisse là qui nous a amené ces vitraux. Non. Ben si, et là aussi, on travaille bénévolat. C'est à lui. Qui gérait tout ce qui est matériel et tout ça. Ah ouais, alors les vitraux, ils viennent de Lausanne, comme tu dis. Oui, en Suisse. Ouais, moi j'habite tout près, moi, je suis à Genève. Ah voilà, tu vois, tu es chez toi. Voilà. Et vraiment, chez moi. Ouais, on est très content des vitraux et tout. Ok. Et même le bois et tout ça, c'est lui. Nous, on travaille bénévolat, musulmans comme catholiques. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, c'est joli. Ce qui est dans l'église, à la mosquée, tout, on travaille ensemble. Mais ok, c'est bien, bravo. Top cet arbre, ouais. Les racines qu'il a, dis donc, waouh. Avant d'y entrer, faites la photo, viens la caméra, je vais vous expliquer aussi. Voilà, le nom de cet arbre, c'est au fait, c'est un capotier. Capoquier. C'est un capoquier qui donne les fruits qu'on appelle les capots. Ouais. Après éclosion, ça donne des fibres. D'accord. C'est avec ces fibres que nos mamans, d'ailleurs, faisaient des oreillers et des matelas. D'accord. Parce que là, on n'avait pas la technique. Hein. Oui, bien sûr. Mais maintenant, puisque tout ce qui nous vient de l'Europe, et voilà. Top. Ici, c'est le fromager, le Kaï Cédra et le palmier rogné. Oui. Ça représente les trois régions du village, trois arbres. Ouais. Et ça, c'est la communion entre nous. Musulmans comme catholiques, vous voyez les deux branches là. Ah oui. Voilà, les arbres ne sont pas parasitaires, c'est pourquoi ici aussi, on ne veut pas être des parasites.
Là, ah. on est en communion, musulmans comme catholiques, et on vit ensemble. Ah ouais, les deux arbres s'embrassent au fait. Voilà, tu vois, même avec les racines. Même avec les racines, voilà. Incroyable. Et là, ça représente les animistes, ça commence à disparaître. Ah oui. Parce qu'en nous, ça reste une âme animiste qui reste en nous. Il y a la maman des lieux qui est là-bas. Ce n'est pas des sacrifices, mais des offrandes. Okay. Parce qu'on est agriculteur et éleveur. À chaque fois, on vient ici. Et là, on voit bien que les deux arbres, ils se prennent ensemble. Voilà, et en haut aussi. C'est là, magnifique. Et ça, c'est l'arbre sacré du village. Compris. Ça concerne musulmans comme catholiques. Il faut s'aider, il faut s'entraider, il faut vivre en communion. Bravo, merci Georges. Voilà. Pour soutenir l'autre. Hein. Voilà, ça c'est bien. On va soutenir l'autre. Magnifique. Et là, ça porte bonheur quand on passe entre les deux arbres. Et on fait un vœu. Que j'ai fait d'ailleurs. Okay. Et Falou, il a fait aussi un vœu. Hein, Falou? Ah ouais, il a fait un vœu. T'as fait un vœu, Falou? Ouais, ouais, ouais. Un bon vœu? Ouais. Bon. Les arachides. Ça va? Oui, bonjour. Comment ça va? C'est magnifique, ça va. C'est magnifique. Bonjour. Comment ça va? Ça bosse alors? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Pierre. Et vous, c'est Pierre? Ouais. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Comment ça va? Vous êtes en plein travail, là? Oui, on est en plein travail. Elle est en mon casque. Mais vous êtes à Londres, ça va? Oui. Et ça fait partie. Et il y a aussi la maman, là, qui fait du bon jus. Ah, voilà. Il y a le bon jus de citron qu'elle presse, merci. Ah ouais, non merci, pas pour l'instant. Ça, comme je vous ai expliqué, c'est les femmes espagnoles qui avaient amené des femmes de Maroc pour aller en Espagne pour conserver les fruits. D'accord. Donc les fruits, ça pourrisse, mais il vaut aussi. Ouais. Et puis madame, elle fait les jus de citron. Voilà, le jus de citron, elle s'appelle Marivonne. Marivonne, bonjour Marivonne. Ah, c'est bien alors. En tout cas, sont belles ces bouteilles. Jus de citron. Ok. Bon, ben, je vais te prendre un jus de citron, moi. Ça vaut combien? 2500. Ok. Ça sera pour Francine, parce que Francine, elle voudra goûter ça. Je la connais. Hein. Donc on va chez deux. Non, une. Non, l'autre bouteille, la rouge. L'autre. La rouge. Ah, la rouge. Ouais, parce qu'elle aime bien la couleur rouge, Francine. Ah, okay. Là, tu vois, le citron, c'est juste qu'elle presse. Ouais. C'est la technique. Ah, non, on va pourquoi ça. Pour Francine. Ça sera un cadeau de Pierre, comme ça. Voilà. Elle mettra ça avec de l'eau, ça lui fera bon. Voilà. Georges m'explique que c'est l'ancienne église construite avec des coquillages. D'ailleurs, on voit dans la construction de la chaux et des coquillages uniquement pour que l'église tienne. En 1925. En 1925, ouais. Alors c'est fermé, là, on ne peut pas aller dedans. Solide. La chaux et le coquillage, extraordinaire. Ah, ils sont bien là, ils sont à l'ombre. Ah, c'est le Club Med là. Ouh là 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 là. Ouh, il y a toute la famille là. Eh ben, dis donc. Ouais, la mosquée du village. Bonjour. Ça c'est le téléphone? Oui. C'est la cabine téléphonique? Oui. Non, ici, la cabine téléphonique. Ah, la cabine téléphonique, c'est là que tu téléphones en tam-tam. Tam-tam pour... téléphonique du village. Voilà, pour envoyer chez le voisin là-bas pour dire tout va bien. Exactement, pour quand il y a des manifestations dans le village, baptême, quand il y a le baptême, quand il y a un mariage et tout, on tape. Mais là, il faut être initié pour savoir les codes. Ah. Les codes du tam-tam, c'est comme ça, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut être initié pour savoir les codes. Ah. Et voilà, quand il y a un mariage, il y a une famille spécialisée qui le fait. Tap, 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 on sait qu'il y a un mariage. Ouais. Ou bien on est à baptême. Ah, d'accord. D'où son nom,
le messager, le tam-tam téléphonique du village. Ok, compris Georges, merci beaucoup pour l'explication. Et là, c'est à base de fromager, et là, les zébus. Pour zébus. Voilà. Ok, pour la cabine téléphonique. Bref. Très joli. Voilà. Alors? Ici à Marloch, il n'y a ni police, ni gendarme, ni homme de tenue. Okay. Donc s'il y a un problème parmi nous, on règle ça à l'amiable, avec les sages et les chefs du village, avec les deux parties concernées. D'accord. Par exemple, si Pierre me donne un coup l'œil enflé, si on est à l'hivernage, la sentence c'est quoi? Pierre va partir dans mon champ et cultiver 3 jours pour moi, et moi je suis au lit. Ah, c'est moi qui récultive. Oui. On n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié. Ouais. C'est là-bas, voilà le terrain. Tout ça, c'est pour les dépenses des enfants. Ok. Pour les divertir, le football. On a un peu le football et la lutte traditionnelle. Ouais, je connais. Hein. Voilà, on arrive à la Villa Bao. Villa Bao, ouais. Bao. Il n'a pas aimé ça? 3 chambres à coucher avec 2 lits, un cabanon pour manger, la piscine. Ça, ouais. Ça fait 107 euros la nuitée. 107 euros. La nuitée, ouais. La nuitée. Pour le villa. Pour la villa complète, 3 chambres à coucher. 2 chambres climatisées et 1 ventilée. Voilà, et les cabanons aussi, ils sont ventilés. On peut voir? Oui. Bon, les chambres, les lits sont pas faits. Mais... Oh, ça fait rien, le lit, c'est pas grave. On va pas se coucher maintenant, nous. Alors, qu'est-ce que mon frère? Voilà. Ok. Le lit, toilette. Les toilettes sont séparées. Ouais. Voilà. Climatisées. Eau chaude. Bien. Eau chaude, climatisée, tout. Voilà. Viens voir. Ouais, attends, j'arrive. Là, c'est le toilette avec l'ampoule. Donc, c'est éclairé, donc ça, c'est bien. Le luxe, c'est régalé. Le luxe, c'est régalé. Ça, c'est magnifique. Et la douche, grande douche. Voilà. Impeccable, la grande douche. Et voilà, toute l'équipe de Choc Chocolat. Bonjour. Et voilà, une autre chambre. C'est pareil. La même chose. Même chambre, très belle. Ah, plus deux cabanons encore, voilà. Là, c'est une petite chambre en plus. Ok. Là-bas, c'est la cuisine. Où tout le monde peut se retrouver pour manger. Une table de 12. Une table de 12. Et puis là, au fait, ils font venir une maman, elle fait à manger pour tout le monde, et puis voilà quoi. Ben, ça dépend de la clientèle. Est-ce qu'il veut cuisiner lui-même? Est-ce qu'il veut maintenir la femme de ménage qui est là? Ok. Et s'ils veulent maintenir ça, c'est des suppléments de plus. Mais nous, on loue la villa avec... Ok, la villa avec les 3 chambres de 2 lits, voilà. 2 chambres à 1 lit. Et vous êtes pour vous. Personne ne nous dérange. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, tu lui donnes une petite croquette ou un petit bout de pincette. Voilà, c'est comme fait avec ma femme fait comme ça. Quand moi, je j'ai un bien, chien depuis 12 ans, il obéit à la voix. Ah oui, il a eu chaud, lui. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, une petite croquette. Avec lui, il sait jouer. La cuisine. Mais parce qu'il est petit. La cuisine. Jean-Gis, merci. Je finis ma vidéo. Je vous causerai de vos chiens. Ça, c'est la cuisine avec le micro-ondes. Il y a tout sur place. Frigo, merci pour la visite. Il y a même frigo. Bah ouais. Un frigo. Voilà. C'est très calme, sauvage. Les 2 chambres indépendantes, chambre seule, il y en a une ici, plus 3 chambres à 2 lits, parentales, avec salle de bain, clim, elles sont là. Tout est clos, fermé. Vous avez une piscine là. Magnifique pour les familles. Mané baykat bi khalam demona bayner waye bum gatok namo
bay kat bi xalam demona bay ne waye bum nga top na mo bula ne xetal la say lox yay docteur bi pat ki fu askan bi dika dale ci njitum rew ba ci miskin ya summe ko di dan sa dole andak naaj bi di liggey sa ñak di tour ngay bay di dugat billahi ya am jom kun jara ma bay kat ku fexir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu kun jara ma bay kat ku fexir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu ya mom mon sambay ya mom sa ganchax mom sey ñor ya mom sa aladi bay ngur ñow dugal ci loxom ak bor fek la ja ganchax ba meñ lo nekete yo kon jara ma bay kat ku fexir ya ko dundal ba musu ni waaw ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu